Bonjour Puntis, nous sommes le mercredi 2 octobre et il est 20h14. Voici le résumé des verbes transitifs et intransitifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il existe au passé composé des verbes qui peuvent utiliser l'auxiliaire être et avoir. Ainsi, on aura en fait deux significations différentes. Alors ils disent exercice avec les 7 verbes transitifs. Non, il y en a 8. D'accord? Et donc il y en a même plus, mais bon, si on veut dire monter, remonter, redescendre, descendre, etc. Voilà. Alors, monter ou remonter, parce qu'on l'a pas ici, monter ou remonter. Je suis monté sur la tour Eiffel, je suis monté sur le toit, je suis monté à l'étage, je suis monté au 10e étage, donc on va going up. Alors je suis un mouvement physique. Et j'ai monté les valises au grenier, dit Alic. J'ai monté les valises au premier étage ou en haut. Donc j'ai monté quelque chose. Je suis descendu à la cave, je suis descendu en bas, au rez-de-chaussée. Ou alors j'ai descendu les escaliers à toute vitesse. Ou j'ai descendu les valises en bas. Hein, j'ai descendu les livres en bas. Entrée. Donc ici, on a monté, remonté, on a la même chose ici. Descendre, redescendre. Entrée, je suis entrée dans la maison, je suis entrée dans le magasin. Ou alors, j'ai entré un mot de passe ou un mot-clé dans le moteur de recherche. Donc on a entré quelque chose. Ensuite, donc entrée. Ou même rentrer, voilà, on l'a ici, entrer, rentrer. Je suis rentré chez moi, I went back home, et j'ai rentré la voiture dans le magasin. Dans le magasin, dans le garage. J'ai rentré la voiture dans le garage. Sortir, je suis sorti. Je suis sorti au café, ou je suis sorti dans un club, au restaurant, etc. Ou j'ai sorti les poubelles. Retourner, donc on a le verbe transitif, le verbe pronominal se retourner, turn back, to see what's going on in your back, ou alors retourner, pas de verbe pronominal. Non, retourner, je suis retourné chez moi, ou je suis retourné sur les lieux de mon enfance, ou alors j'ai retourné la crêpe dans la poêle. Passer, c'est un verbe qui est un peu embêtant. Passer, je suis passé vers 16h, mais tu n'étais pas là. Stop by, drop by. Mais j'ai passé du temps avec eux, I spent time with them. Repasser, alors je suis repassé 1000 fois à cet endroit pour le revoir, ou alors je suis passé chez toi hier, je suis repassé ce matin, mais tu n'étais toujours pas là. Et repasser, is to iron something. J'ai repassé cette chemise avec un fer trop chaud. Un fer is an iron, it was too hot. Voilà. Alors, je reviens à Skype, parce qu'en fait ici, parfois, il y a une transcription qui est un peu différente. Okay? Alors, pour revenir au début, tu as tout ce que je t'ai donné. Voilà. Le passé composé, généralement, quand on parle du passé composé, on dit bah, quels sont les verbes qui utilisent l'auxiliaire avoir? Tous, sauf, sauf ceux-là qui vont apparaître. Alors, c'est un petit bonhomme qui monte une montagne, qui reste dans une maison, qui va redescendre, qui va tomber. Qui va rester dans la maison. On a aussi passé, un avion passe, il est passé, il est retourné, ou repassé. Naître, mourir, devenir. D'accord? Donc on en a 15. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà. Plus les verbes pronominaux, hein, les reflective verbs. Donc tout ça utilise des verbes, l'auxiliaire être. Et le reste, l'auxiliaire avoir. Mais on voit maintenant que c'est pas toujours le cas. Donc, pour revenir au début, hein, on avait parlé de Montréal. Tu as vécu en Iran pendant 22 ans. Quand tu étais petite, il y a un E. Combien de langues tu apprenais à l'école? Donc l'anglais, l'arabe, le français. J'ai beaucoup d'amis iraniens qui ont des notion de français, sauf un. Il y a un ami qui ne veut pas l'apprendre. 15 ans, donc 15 ans
commencé à apprendre plusieurs langues, enfin l'anglais, je crois, au lycée. Donc la première année de lycée, ça s'appelle la seconde. Ensuite, la deuxième année, ça s'appelle la première. Et la dernière année, la troisième année, ça s'appelle la terminale. Donc seconde, première, terminale. Et c'est la seconde, la première, la terminale. Il y a une majorité de musulmans en Iran, mais il y a aussi des chrétiens, des juifs, zoroastriens, etc., qui sont composés d'1% de la population. Le système public scolaire est assez bon et très bon en fait en Iran. Il y a une forte chance de réussite. Et voilà, le participe passé de vivre, c'est vécu, j'ai vécu. Hein, voilà. Combien de temps tu as vécu à Montréal, combien de temps tu as vécu en Iran, etc. Qu'est-ce que tu as fait à Montréal quand tu étais à Montréal, la dernière fois en fait? Eh ben, j'ai visité ma famille. Donc on avait utilisé le passé composé, l'imparfait, pour voir un peu si tout est bien compris. Je suis allée à la baby shower. Hein, il y a aussi le... C'est cochère, c'est la viande fumée. Ça fait me penser au sandwich juif qui s'appelle Reuben Sandwich, qui est super bon et je l'adore. Voilà. Donc ici on avait parlé des verbes transitifs et intransitifs, hein, c'est fait. Voilà, j'ai donné d'autres exemples, tu peux regarder aussi. Hein. Fais attention au vocabulaire, par exemple, en haut. Je suis montée en haut, c'est-à-dire upstairs. Rez-de-chaussée, hein, c'est the first floor, hein, pour nous les Français. J'ai monté les valises en haut, donc upstairs. Et on a en bas, downstairs. Okay. On vit dans une maison qui a un seul étage, on va dire, on sait que c'est en bas le rez-de-chaussée, en haut le premier étage, pour nous les Français. Pour les Américains, on va en bas, c'est le premier étage. On va en haut, c'est le deuxième étage. Voilà. Alors, voilà, tout est expliqué. Alors, je me suis retournée pour voir qui m'appelait. Ça, c'est un verbe pronominal. Donc, on utilise le verbe être, l'auxiliaire être. Voilà. Voilà, attention, je suis repassée chez toi ce matin. Tu n'étais toujours pas là. C'est-à-dire, you were still not there. Okay. Et on peut repasser un pantalon, etc., une chemise, etc. Voilà. Alors, c'est un petit résumé. Tant je veux voir si j'ai. Je crois que je t'ai envoyé. Non. Je t'ai envoyé. Je sais plus où c'est. Je crois que je t'ai envoyé des journaux. Les journaux aujourd'hui. Je sais pas si je les ai encore, je pense pas. Qui parlent en fait de la mort de Jacques Chirac, qui est un président qui était très fameux, très respecté, toujours respecté. Et bon, il y a beaucoup de détracteurs également, hein, qui n'aiment pas trop ce président. Mais bon, on ne peut pas aimer tout le monde. Alors, je pense que je te les ai envoyés. C'est aujourd'hui en France. Il y en a cinq. Et le film La dernière folie de Claire Darling, c'est avec Catherine Deneuve. C'est un film un peu bizarre. Mais bon. Intéressant, qui est sorti en 2018, je pense que je te l'ai envoyé. Et je vais t'envoyer également Les crevettes pailletées, c'est un film un peu sur l'homosexualité. Je ne l'envoie pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont un peu inconfortables, on va dire, qui ne sont pas très confortables avec ce sujet. Alors, voilà, ça, ce sera pour la suite. Mais ça, tu as déjà reçu le film, plus les journaux. Donc, ce film, tu peux regarder dans l'avion, si tu voyages, peu importe. Donc on va se voir la semaine prochaine. Tu me diras quand, parce que là j'ai des étudiants qui sont revenus, donc qui prennent un peu de place. Mais bon, c'est mieux parce que j'ai passé juillet, août avec pratiquement pas de cours. Donc là on recommence le travail, je peux te dire que ça fait du bien. Voilà. Allez, passe une très bonne soirée et on se voit donc la semaine prochaine. Au revoir, Pontis.